possibilité de le dire aussi simplement que il a dit en faisant référence à quelqu'un qui était aussi simple que Luther. Je ne parle pas de Luther maintenant statifié comme le patron de la révolution, de la réforme. Je parle du bonhomme. Il a posé une question très simple que je revendique, moi, pour le Coran. Pourquoi ce texte n'est pas accessible aux gens simples? Il s'adresse d'abord à un individu croyant à qui il veut imposer une vue de Dieu, c'est pas rien, une vision du monde, une vision de sa prédestinée et sa destinée après la mort. Pourquoi il est aussi inaccessible? Voilà ce qu'il a posé. Donc il a traduit le Coran en langue nationale, en allemand national. C'est son premier acte. La Bible, excusez-moi. Elle a traduit la Bible et c'est le commencement de la révolution, de la réforme, la grande réforme et des tragédies après conçues par des politiques pour devenir. C'est un peu la même chose, mais je n'ai pas la prétention d'être Luther, bien que Jeune Afrique, il y a une dizaine d'années, a titré une interview de moi le Luther de l'islam. Je n'ai pas cette prétention et je ne veux surtout pas que les drames provoqués par l'audace de Luther se répètent pour le monde dit islamique. C'est vrai, moi je pars d'une anxiété qui est quasiment une anxiété, un désarroi même, un désarroi quasiment enfantin. J'ai vécu, si on prend l'unité de 24 heures, tous les jours, le plus clair de mon temps, entre l'école, la petite école, de la communale jusqu'au bac, ou alors, si je quitte l'école, c'est dans la librairie de mon père. Je l'aidais à ranger les bouquins, parfois à en vendre, parce qu'il oublie que nous avons tel titre, et c'est moi qui lui dis que nous l'avons, effectivement, il me demande d'aller le chercher pour le vendre au client. Donc, cette anxiété naissait de là. Surtout que mon père ne vendait que des livres arabes, et pour la plupart, puisqu'il était à côté de la grande mosquée de la ville, la mosquée Zitouna, juste à côté, sa librairie, donc il n'y avait pas l'enseignement en arabe moderne comme maintenant. L'enseignement était dirigé vers la théologie, de ce qu'on appelait la faculté ou l'université de la Zitouna. C'est l'équivalent d'Al-Azhar, plus connu dans l'actualité que la Zitouna en Tunisie, mais c'est plus ancien que l'Azhar. L'Azhar a été construit par des Tunisiens, il ne faut pas l'oublier, par les Fatimides tunisiens. Donc, je fréquentais ces titres rien que par par la lecture du titre que je vendais ou que j'aidais à vendre aux étudiants théologiens ou théologiens en herbe. Donc l'anxiété n'est pas celle de maintenant. Tout ça, c'est pour vous dire que je ne parle pas, que je n'ai jamais parlé à partir de l'actualité. Daesh, terrorisme, etc., etc., c'est bien avant. Et je n'aimerais pas, s'il vous plaît, que ce que je vais prétendre vous dire, ce que je voudrais modestement vous dire, soit rapporté à une défense et illustration d'un peuple sage de l'Europe. Je sais que l'Europe n'est pas sage, qu'elle nous a fait beaucoup de mal avec le colonialisme et avec le mépris pendant des décennies, sinon des siècles. Et je ne suis pas de ceux qui viennent dire l'islam, les Arabes, c'est des gens méchants et qu'ils ont fait ceci ou cela. Bien sûr, je reste complètement m'inscrit en faux, complètement contre tout acte de violence et surtout un acte de violence lié à la religiosité ou à la religion, au culte. Et ça, c'est toujours depuis longtemps. Parce que mon père, qui était tout aussi relieur, avait beaucoup d'amis
maroquinier qui faisait la posserie pour les livres, ou qui faisait du massicot. C'était tous juifs ou chrétiens. Et je les fréquentais, j'amenais des couffins de bouquins à la reliure chez Pascal, Bismuth, Lombroso. Et nous n'avions aucun problème avec la communauté juive ou chrétienne du temps du colonialisme. Parce que je suis entré au lycée l'année même de l'indépendance de Tunisie. J'ai fait toute ma communale à l'école primaire, sous le régime colonial en Tunisie. Donc, c'est très important à vous dire que je ne suis pas en train de venir au secours d'une Europe tardivement atteinte par les fanatiques musulmans qui sont tout aussi à rejeter que les fanatiques du christianisme ou les fanatiques du judaïsme. C'est un meurtrier pour moi n'a ni religion, ni nationalité, ni même humanité. Quand il nie l'humanité de l'autre, on est en droit de lui dénier l'humanité aussi. Donc pour moi, l'affaire est une question de principe. Ce n'est pas une question liée à un devenir du croyant musulman ou à un devenir du croyant chrétien ou à un devenir du croyant confucien ou hindouiste. L'humanité de quelqu'un, pour moi, se mesure à son acceptation de l'humanité de l'autre. C'est clair et net, et ça n'a rien à voir avec l'actualité. J'ai toujours été comme cela. Donc le titre, j'aurais voulu être plus clair, et maintenant devant vous, je suis plus clair. J'ai dit des siècles de tromperie, mais au fond, je suis convaincu que tous les siècles de l'islam sont des siècles de tromperie, des 14 siècles. J'ai eu honte, j'ai eu un peu de pudeur de le mettre sur l'affiche. J'ai dit des siècles, mais au fond, c'est tous les siècles. C'est depuis la naissance de l'islam, elle-même a été sujette, a été victime d'une tromperie. Voilà comment. D'abord, on a prétendu, et on le croit jusqu'à maintenant, que la venue de cette religion est un temps zéro. Et qu'avant cet événement, il n'y avait rien. En arabe, on dit « jahiliya ». Jahiliya, c'est maladroitement traduit en français par le temps de l'ignorance. En arabe, le mot primitivement à l'époque, et on va revenir à cette question du sens primitif d'un mot, signifiait l'excès de violence. Jahl. D'ailleurs, dans les dialectes maghrébins, maintenant, on dit quelqu'un jahl, c'est-à-dire il est devenu fou de rage, fou, et il a commis des excès. Donc, première tromperie, c'est le sens de ce temps zéro qui est un faux temps zéro. Il n'y a pas de temps zéro. D'où la conséquence d'une autre tromperie. Prétendant ou croyant que l'islam est venu à un temps zéro, et qu'avant, il n'y avait rien, aucune civilisation, aucun savoir même, puisque on confond jahiliya à ignorance, alors que c'était un temps, un grec ou un français actuel aurait traduit le temps de barbarie, ou le temps de fureur, plutôt jahiliya, c'est le temps de fureur, de guerre de tous contre tous, etc. Ce qui n'est pas vrai. Il y avait des villes, il y avait une civilisation énorme, il y avait l'amour courtois, il y avait... et le Coran l'atteste. Le Coran qu'on prétend venir à un temps zéro parle d'une dame reine qui avait un parlement, qui avait la démocratie, qui osait même critiquer à juste titre le régime monarchique, la royauté, dans la sourate 34 qui s'appelle « Les fourmis », elle critiquait même,
et le texte lui donnait raison, le roi Salomon, comme un roi qui était capable d'excès, qui était capable d'attaquer ceux qui sont plus faibles que lui. Donc, deuxième tromperie. Mais quand l'islam s'est installé en embryon d'État à Médine, il y a un excès qui nous harcèle et qui nous poursuit jusqu'à maintenant. C'est la récupération d'un texte pour des fins strictement politiques. Et la première conséquence, moi je la date comme la première conséquence de ce qui nous arrive jusqu'à aujourd'hui, c'est la suppression de ce qu'allait être la démocratie au sens athénien dont l'Europe est fière. L'Europe dit que sa démocratie vient d'Athènes, de la boulée, d'une espèce de démocratie qui réunit les aristocrates ou les notables, excluant les femmes, les esclaves, les métèques, etc., etc. Ça a commencé exactement de la même manière, et il y a même dans le Coran un texte qui le dit, exercer le pouvoir en délibérant avec tous les constitutifs de la société. La délibération, exactement comme la manière d'Athènes, était de mise dès le début de l'islam. Dès la mort du prophète, et c'est à son honneur, moi je crois ce personnage que je considère comme personnage, dont je parlerai comme personnage historique à partir de maintenant, personnage que j'essaie de délimiter comme n'importe quel historien aurait délimité Napoléon ou Confucius ou Staline ou Eisenhower ou John Ford. C'est un personnage politique, c'est ce qui m'intéresse dans cette communication. Dès que ce personnage est mort, et à son honneur, il n'a ni désigné un successeur, d'après les siens, ce qu'on dit l'histoire, son histoire, ni demandé à ce que la révélation qu'il dit avoir reçue du ciel soit consignée dans un bouquin. Deux choses qui auraient pu inspirer qu'il voulait le pouvoir ou qu'il voulait léguer une manière de pouvoir. Un, il n'a pas désigné un successeur, il n'a pas désigné un type de pouvoir en dehors de lui et à partir de sa mort. Deuxièmement, ce qu'il dit avoir reçu du divin n'a pas été consigné de son vivant dans un livre. À partir de sa mort, toute la série des autres tromperies que nous vivons jusqu'à aujourd'hui a commencé. D'abord, une guerre civile extrêmement dévastatrice qui a duré à peu près 2 ans. Pratiquement toutes les tribus ont quitté l'islam et ont brandi le sabre contre le pouvoir embryonnaire constitué à Médine. On a créé une fonction suprême qui s'appelle le califat, on l'a créé dans les 10 divins du prophète, la révélation. Cette notion de califat, le vocable existe, mais il existe dans une métaphysique extrêmement élaborée de la liberté qui se résume en ceci, verset 30 de la sourate 2, la vache. Nous avons vocation, nous les humains, tous les humains, c'est pas les musulmans seulement, ni les arabes, tous les musulmans ont vocation à devenir calife de Dieu. Certains ont traduit calife de Dieu, calife d'Allah, par vicaire. La plupart des orientalistes classiques, d'autres lieutenant, très simplement, dans le sens précis de ce mot, lieutenant, tenir lieu. Moi, je l'ai traduit par légataire. On a vocation de devenir légataire de Dieu. À mon avis,
cette fin annoncée dans le Coran que l'homme sera le légataire de Dieu sur terre, il n'y a aucune ambiguïté. Khalifatullah fi ardo, non, ambiguïté, c'est-à-dire que la religion va se confondre avec la non-qualification de l'humain. L'humain ne sera plus qualifié comme noir, catholique, pas catholique, et il y aura un moment où l'humain sera sa propre religion. Et que, le Coran le dit très simplement, il ne restera que cette clé unique qui est l'unicité de Dieu, qui est le fait qu'il y ait une clé unique pour s'expliquer le monde et expliquer ce qu'il y a au-delà du monde, c'est-à-dire à partir de l'instant de la mort. Cela a été, bien sûr, tout à fait ignoré. Ce que je dis est complètement étranger à ce que nous savons aujourd'hui du Coran et de son explication. Sans entrer dans ces détails-là, importants, bien sûr, je continue la série des tromperies. La fin de cette guerre civile a donné naissance à un califat complètement étranger à la société qui a vu naître l'islam et le Coran. C'est une société où le pouvoir est légué successivement de père en fils ou dans la famille, dans une famille royale. Ça s'appelle, pour ceux qui veulent approfondir la question, ça s'appelle la dynastie des Omeyyades. La scène qu'on raconte dans les livres d'histoire ou dans les livres d'historiographie islamique, il n'y a pas d'histoire encore islamique, histoire au sens de Brodel, au sens de Lucien Sève, ou je vous cite des gens que vous connaissez, il y a de l'historiographie, Sira, la biographie, donc la scène où cette métamorphose du pouvoir, cette élucubration qui a fondé la dynastie Omeyyade, pour mettre fin à la guerre civile, un prétendant au pouvoir, le fondateur de la dynastie Omeyyade qui s'appelle Muawiya, a exprimé à un sage rusé, un conseiller très rusé, a expliqué qu'il en a marre de la guerre civile et il veut épargner le sang des musulmans. Pour ceux qui sont arabophones, « yahqan dima al-muslimin ». Et il lui demandait un avis. Et le conseiller lui a dit « la seule manière, c'est de limiter la succession du pouvoir à votre famille, la famille des Omeyyades, donc de donner la succession après votre mort à votre fils, qui s'appelle Yazid, et qui était un soulard, un voyou, selon les historiographes arabes, un musulman, hein, c'est pas selon moi. On disait qu'il était quelqu'un qui ne pouvait pas avoir le portrait d'assumer un pouvoir, surtout après quelques années de la mort du prophète, dignement. Et le conseiller lui a dit, bon, venez demain à la cour, prince des croyants, émir al-mu'minin, asseyez-vous à ma droite et votre fils à ma gauche, et nous serons devant les pontes, les autorités religieuses, ce qu'on appelait aujourd'hui les fuqaha, les gens de religion, qui étaient à l'époque pas plus qu'une dizaine, il ne faut pas se leurrer, il y avait une dizaine à l'époque, mais on les a invités, il les a convoqués, et la scène, donc, il y a le conseiller qui s'appelait Ziyad ibn Abi, c'était un bâtard. Ibn Abi, c'est-à-dire fils de son père en arabe. Il était gouverneur d'Irak. Et effectivement, le calife était à sa droite, le prince présomptif était à sa gauche, et il s'est adressé aux notables religieux, et leur a dit, après celui-là, le calife, celui-là, ou bien celui-là, il a sorti son sabre.